Le logement d'abord. Pour cette première étape clermontoise, Édouard Philippe a choisi de mettre en avant le plan logement de son gouvernement. Afin de renforcer sur le terrain les politiques d'insertion et d'hébergement, le Premier ministre a signé une convention avec le département du Puy-de-Dôme et la métropole de Clermont-Ferrand. Objectif, réduire le nombre de personnes sans domicile. Il nous semble, c'était l'intuition, la conviction du président de la République, c'est ce que nous essayons de mettre en œuvre. Il nous semble qu'on peut quand même changer assez nettement les choses et obtenir des résultats assez bons si on change d'optique, si on transforme les instruments, si on s'appuie sur des coopérations qui ne sont pas simplement des coopérations de moyens, mais qui visent à mieux accompagner individuellement et plus durablement ceux qui ont besoin des politiques publiques. Après le conseil départemental du Puy-de-Dôme, Édouard Philippe a rejoint les élus qui participent au conseil national de la montagne dans le parc des volcans d'Auvergne. Une visite et un hommage appuyé au cantalien Jacques Mézard, l'actuel ministre de la cohésion des territoires.